cloque. Comment vous expliquer la situation? Il est 4h30 du matin et j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Enfin, en fait, ça s'est pas exactement passé comme ça. J'ai fait une insomnie et je me suis dit... En fait, j'arrivais pas à dormir parce que je sais pas comment dire, mais j'aime trop être en vie. Vous voyez? Et j'aime trop faire des trucs de ma vie et j'aime trop juste la vie. Mon cerveau ne veut pas dormir. Je me suis dit, t'arriveras pas à dormir. Du coup, sois productif. Fais des trucs que tu n'as pas le temps de faire quand tu dors. Du coup, voilà. Il est 4h30 du matin et je ne vous mens pas. Je suis sûre qu'il y a des youtubeurs qui mentent. Mais attendez, je vais vous montrer que tout le monde dort chez moi. Il est vraiment 4h30. Et venez voir. Bon, je fais une voix off parce que je suis floue et je déteste ça. Bref, j'ai appliqué ma crème et je disais que cette nuit, j'allais un peu me cultiver. Where you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt. Ça veut dire quoi le mot mouvance? Je pense que c'est quelque chose en mouvement. On va chercher sur internet. Mouvance. Définie. La mouvance est un concept de droit féodal qui désigne l'ensemble des fiefs et arrière-fiefs. C'est quoi un fief? C'est tellement long d'être bête. Fief, au Moyen-Âge, domaine concédé par le seigneur à son vassal. Non mais le fond du fond, c'est pas possible. Bon écoutez, on ne saura jamais ce que veut dire le mot mouvance. On va dire que c'est de la moutarde, voilà. C'est marrant quand même, non? Qu'on dise le féminisme, enfin genre le, avec un pronom masculin. Alors que c'est quelque chose qui est pour les droits des femmes. Vous savez que Olympe de Gouges, elle a été condamnée à cause de son opinion publique. J'ai appris plein de trucs, c'était super intéressant. Mais là j'ai plutôt envie de me poser et de faire du shopping. Que j'ai envie d'acheter le jean rose de chez Zara. Et que j'ai envie de m'acheter un maillot de bain, une pièce noire, décolletée. Et du coup je vais aller sur Vinted. Je suis déjà sur Vinted. Je vais en profiter parce que là j'ai du temps pour trouver tout ça. Faut savoir que moi je suis vraiment une pro de Vinted. Pendant que je suis toujours en train de chercher des maillots de bain, et ben je regarde les vlogs de Léna. Ça me fait passer le temps. En même temps, je cherche des trucs utiles et en même temps, je me fais plaisir à regarder des vlogs. C'est cool, non? Du coup, c'est trop cool parce que j'ai le temps de tout prévoir pour mes vidéos. Bon, du coup, les gars, j'ai trouvé pas mal de maillots de bain et j'ai acheté le pantalon Zara, donc ça c'est fait. Et le maillot de bain, je sais pas encore, j'hésite de ouf. C'est trop dur d'acheter un maillot de bain sans l'essayer, franchement. À quel point j'aime faire le montage. Si vous avez un Mac et que vous voulez une application qui trie et qui nettoie trop bien votre ordi, utilisez l'application Clean My Mac. One eternity later. Il est 5h38. Le lever du soleil, il est censé être à 5h53. Ça commence. Notez mon outfit sur 10. C'est parti les gars. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. On va aller se balader un petit peu pour voir si on peut voir mieux ailleurs. C'est trop mignon, j'adore. Là-bas c'est un peu plus rose. Oh, oh, j'ai filmé la fin des lumières, c'est incroyable. Bon les gars, il n'y a pas un beau lever de soleil, du coup j'en profite pour me balader. Croyez pas que je fais du sport, hein. C'est juste qu'il y a un mec trop chelou, du coup je rentre chez moi. Croyez pas que je vais faire le code devant vous. Allez, on rentre.
Bah, il n'y avait pas de beau lever de soleil. Tant pis. Au moins, ça nous a fait bouger. Bon, les gars, il est 6h dans environ 10 minutes. Et j'ai envie de regarder un film. Donc, je vais regarder un film culte pour enrichir ma culture générale sur Netflix. Parce que bon, nous sommes riches. Bon, c'est parti, on va regarder le film Les Incorruptibles. Je sais pas si vous me voyez, mais au final, je regarde Requiem for a Dream. Cet accent. Bon, c'est le matin, j'ai fait mon petit déjeuner et je regarde les vlogs de Léna en prenant mon petit déjeuner. Vraiment, meilleur moment de la journée. Bon, voilà les gars, on a été productifs ce matin, donc je suis assez fière de moi, je vous avoue. Si jamais vous voulez une vidéo où je fais l'insomnie, écoutez, dites-le moi. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Moi, je vais prendre mon petit déjeuner, je finis mon montage et je vous dis à bientôt. Bye. Attendez. D'abord, je vais vous montrer comment bien prendre son petit déj. Bonjour.